Monsieur le directeur et chers amis, mesdames et messieurs, je suis très heureux de me retrouver une fois encore dans l'atmosphère de l'école des Chartes. Bon, ce n'est plus les salons de la Sorbonne. Bon, c'est des lieux magnifiques, particulièrement organisés pour recevoir les conférenciers, les cours, etc., la bibliothèque. Et c'est un très bel immeuble, magnifiquement placé. Oui, pardon. Alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ça va comme ça? Bon, je vais me rapprocher de l'appareil. Alors, écoutez, voilà, je suis content de retrouver parmi vous bien des visages que je reconnais, très heureux de participer à cette série de conférences dont Monsieur Legnaud a eu l'initiative et qui me paraît tout à fait appropriée pour faire connaître l'école et tous ceux qui ont participé à ces activités, qui se retrouvent maintenant dans des branches d'orientation bien évidemment différentes et qui peuvent justement parler à tous ceux d'entre vous qui sont des fidèles de sujets divers. Alors cette fois-ci, c'est un peu une dette de reconnaissance que je ressens chaque fois que je parle de Nelly, Jacquemart, André, que vous voyez sur l'écran. Ce portrait, cet autoportrait de jeunesse, n'est-ce pas, qui est si charmante, n'est-ce pas? On comprend que Édouard André succombait à ses charmes. Et c'était une femme aussi, on le voit dans son regard, sa façon de se tenir, une intelligence supérieure. Voilà. L'Institut de France a bénéficié à plusieurs reprises de l'intérêt, de la générosité de grands mécènes. Et parmi les plus fameux et les plus étonnants figure une femme, Nelly Jacquemart, épouse André, qui, à l'instar de son grand modèle, le duc d'Aumale, a voulu léguer au public les collections amassées avec passion durant toute sa vie. Nous avons tenu à commémorer en 2012 le centenaire de son décès. J'ai même fait dire une messe dans la chapelle de Chailly sur sa tombe. Et dès l'année suivante, l'ouverture des immeubles légués à l'Institut de France, devenus de magnifiques musées remplis de ses collections d'art, le musée Jacquemart-André à Paris et l'abbaye de Chailly dans le département de l'Oise. J'ai personnellement la charge de ces deux biens, propriété de l'Institut. L'histoire de cette femme d'exception va à l'encontre de l'idée que nous faisons souvent faussement d'une haute société quasi exclusivement masculine dans ses hautes sphères dans les siècles derniers. Nelly a su s'imposer assez rapidement dans les sphères les plus élevées et c'est la peinture qui lui a permis cette ascension. Ses origines étaient pourtant modestes, ou en réalité moins modeste qu'on l'a souvent dit, parce que ça fait très bien de dire qu'elle était très bas et puis qu'elle est montée très haut. En réalité, elle était d'une bourgeoisie moyenne, n'est-ce pas? Parce que les recherches que nous avons faites tout récemment dans les registres d'état civil, etc., ont prouvé qu'elle était d'une bourgeoisie moyenne, provinciale, parisianisée. Elle est née à Paris, justement, le 25 juillet 1841. Cornélie Jacquemart, plus tard modernisée en Nelly. Son père, Adolphe Jacquemart, décédé peu avant sa naissance, était issu d'une famille de marchands et de petits notables de province qui comprenaient notamment des notaires, souvent natifs de Vitry-le-François. Lui-même était commis-voyageur, mais aussi agent électoral de Monsieur de Vatry, ce nom reviendra plus loin à propos de Chailly. Et sa mère, Marie-Hyacinthe Augustine Rivoiret, née en 1812 à Vic-sur-Seille, était issue d'une famille de boulangers et de meuniers. Elle s'installera à Paris, 8e, comme modiste jusqu'à sa mort en 1895. Vous voyez planter, n'est-ce pas, cette bourgeoisie moyenne venue de l'Est de la France. Nelly choisit de se distinguer par la peinture. On connaît d'elle deux lithographies parues dans le journal L'Illustration en 1858 et qu'elle signe, elle a à ce moment-là 17 ans. Son premier envoi au Salon de peinture de Paris date de 1863. Elle y est mentionnée alors, vous savez, vous connaissez ces livrets des salons, n'est-ce pas, où on parle de ceux qui ont envoyé des peintures et puis on dit un petit peu qui ils sont. Elle est mentionnée comme élève d'illustres peintres de l'époque, Léon Coignet
et Denis Hébert. Et les commandes officielles ne tardent pas. C'est un moment où la ville de Paris a engagé une politique d'aménagement des églises nouvelles, n'est-ce pas ? Et on va commander des peintures pour les églises qui ont été nouvellement construites dans les quartiers un petit peu périphériques ou centraux et démunis d'édifices paroissiaux. C'est ainsi qu'on lui fait exécuter, à la demande de la ville de Paris, des peintures murales dans les églises paroissiales de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et de Notre-Dame de Clignancourt, où l'on peut encore les admirer. Elle commence ainsi. Elle commence aussi une carrière de portraitiste qui va faire véritablement sa réputation 1868-1878. Et parmi les personnes qui viennent siéger devant ses pinceaux, on a notamment le président de la République, Adolphe Thiers, lui-même, n'est-ce pas ? Et alors le richissime banquier protestant, Édouard André, en 1872. Puis elle fait un séjour à Rome, dans l'atelier de son maître, Denis Hébert. La décennie qui suit va décider de sa nouvelle existence. Édouard André, alors je reviens, si j'y arrive, voilà. Édouard André est issu d'une lignée protestante du Vivarais, n'est-ce pas, depuis le XVIe siècle, où ces protestants de la première réforme française, n'est-ce pas, vont être en même temps des hommes d'argent, pas. C'est-à-dire qu'ils vont, prêter de l'argent, ils vont établir des comptoirs sur place d'abord dans le Vivarais, puis après ça dans le sud de la France, et ensuite au Piémont. Et c'est le début d'une grande carrière bancaire de la famille André, n'est-ce pas, qui notamment aidera Napoléon pour les transferts, de troupes et de matières à travers les Alpes. C'est donc une dynastie avec de nombreuses ramifications qui va faire une fortune considérable. Après une brillante carrière de banquier, mais également de militaire sous le Second Empire, sous un brillant uniforme, de député, il est miné par la maladie. Sa famille craint qu'il ne tombe dans les bras d'une maîtresse sans scrupules. On se tourne alors vers la jeune peintre qui a fait son portrait en 1872 et on négocie le mariage avec Nelly, qui va s'occuper de son vieil époux, un petit peu plus âgé qu'elle, avec beaucoup de soins, puis de coopération dans une commune, dans un commun amour pour l'acquisition des œuvres d'art. Le mariage date de 1881. Il a 48 ans, elle 40, n'est-ce pas ? Et enfin, lui fait plus que son âge, elle peut-être un petit peu moins. Et dès l'année suivante, n'est-ce pas, commencent les voyages du couple en Italie. Parce que finalement, elle l'a revigoré, n'est-ce pas ? Voilà, il a trouvé que c'était intéressant d'être avec elle. Je dois vous dire tout de même que nous avons retrouvé dans les placards du musée Jacquemin-André une poussette à roulettes, n'est-ce pas ? Ce qui prouve qu'à un moment, elle l'a tout de même poussée en... Bon. Mais enfin, c'est pas avec cette poussette à roulettes qu'il va faire les grands voyages où elle l'emmène de façon absolument débridée. Et alors à ce moment-là, il a retrouvé tout son courage et ils passent leur vie dans les trains, dans les bateaux, à faire toute l'Italie, mais également le Proche-Orient et l'Orient. Et ils achètent. Ils achètent chez les plus grands marchands de l'époque, n'est-ce pas, des marchands où les grands collectionneurs anglais se trouvant, ou américains se trouvent en rivalité avec les André. Quelquefois, c'est les uns qui l'emportent, ou bien quelquefois, c'est les André, n'est-ce pas, en faisant monter les prix. Et nous avons, par la connaissance de cette correspondance, toute cette bataille pour acquérir des collections entières venues notamment de grandes familles. Donc ces voyages commencent dès l'année suivante, dès 1882, et notamment, je vous le disais, en Italie, où il prend contact avec les plus grands marchands d'art et il achète une infinité de peintures, de sculptures et de petits objets, surtout de la Renaissance. Les années passent et les voyages continuent. La santé d'Édouard s'use tout de même davantage. Et il meurt en 1894, à 61 ans seulement, et il lègue à Nelly la totalité de son immense fortune. La famille, les neveux et nièces, étaient là un petit peu inquiets, en voyant dépérir, ils disaient, qu'est-ce qu'il va faire de sa fortune ? Puis finalement, c'est Nelly qui l'emporte, n'est-ce pas ? La totalité de l'argent
pas Sanelli, l'argent, c'est-à-dire les propriétés construites, nous allons en parler, les collections d'art, et puis bien sûr, l'immense fortune à la banque. Donc Nelly se trouve tout d'un coup d'une richesse fabuleuse. Édouard s'est fait construire à ce moment-là, enfin peu importe, voilà, s'est fait construire dans la plaine Monceau, le nouveau quartier à la mode du Second Empire, le Paris haussmannien, un immense hôtel, un vrai palais, par le grand architecte Henri Parent, auquel on doit quantité justement de constructions domestiques du 8e arrondissement, énormément, autour du parc Monceau notamment. La construction, on a commencé en 1868. Bon, puis évidemment, la guerre de 70 est arrivée, et il a fallu attendre pour terminer. C'est donc le numéro 158, boulevard Haussmann, que vous voyez sur l'écran. Donc, alors, c'est intéressant parce que la plaine Monceau, c'est un petit peu en pente. Ça descend vers le parc Monceau et les lacs du parc Monceau, n'est-ce pas, qui occupent le bas de la Mont. Donc ça monte un petit peu et le boulevard Haussmann se trouve à mi-pente avec, je dirais, trottoir plus bas sur le boulevard Haussmann, plus bas que les rues qui sont derrière. Et l'architecte, Henri Parent, va utiliser cette déclivité pour en faire quelque chose que je trouve tout à fait extraordinaire. Puisque, bon, l'achèvement se fera en 1874, c'est le musée Jacquemin-André, puisque c'est cette déclivité qui lui permettra d'imposer à son architecture des dispositions qui sont tout à fait à l'encontre de tout ce que nous connaissons d'habitude depuis le 17e, 18e, de l'hôtel entre cour et jardin. C'est pas du tout ça, n'est-ce pas? Quand vous arrivez sur le boulevard Haussmann, vous êtes dans la pente, n'est-ce pas? Et l'hôtel Jacquemin-André vous surplombe, n'est-ce pas, un petit peu. Je comparerais avec l'hôtel de Salme que vous connaissez, n'est-ce pas, l'hôtel de la Légion d'honneur sur le quai d'Orsay. Donc l'hôtel est au-dessus de vous et il y a un grand mur qui est là, qui est le long du boulevard, et puis vous avez au-dessus un jardin surélevé, n'est-ce pas, qui n'est pas très épais, qui est là et qui forme, c'est un jardin-terrasse avec des grandes marches qui occupent l'espace qui se distingue entre le corps de logis principal et les deux ailes à droite et à gauche. Et puis, aux surprises, pour y entrer, on n'entre pas par le milieu, n'est-ce pas? On entre par deux passages voûtés, à droite et à gauche, qui passent sous le bâtiment, n'est-ce pas? Et qui vous permettent d'accéder, après ça, à l'espace qui est derrière. Ces passages voûtés sont des passages qui répondent à ce désir de confort magnifique qu'on connaissait alors. C'est que pour les gens qui arrivaient en voiture à cheval, n'est-ce pas, et que lorsqu'il pleuvait, eh bien, on entrait à couvert. Donc, vous pouvez descendre de la voiture, pas sous la pluie, n'est-ce pas, et puis après ça, la voiture remontait, elle allait sur la pluie derrière. Donc, on montait dans les appartements tout de suite sous le vent. Et il y avait un espace qui est toujours comme ça, c'est-à-dire celui qui est à droite de la façade, qui est l'espace pour les hôtes du palais, et celui qui est à gauche, qui est aussi large, c'était les services, c'est-à-dire la cuisine, les domestiques, etc., qui passaient à droite. C'est toujours comme ça. Et alors, lorsque vous avez traversé, vous arrivez derrière à une très grande cour en hémicycle, sablée, avec des sapins dans des caisses. Vous avez dans le fond ce grand mur en hémicycle avec une grande baie autrefois ouverte comme un immense arc de triomphe qui donnait autrefois vers les écuries d'Édouard. Édouard avait une passion des chevaux, n'est-ce pas? Et il avait donc 14 chevaux, 13 voitures, n'est-ce pas? Et puis comme un espèce de manège hippique qui se trouvait là. Il fallait pénétrer sous cet espace. Malheureusement, lorsque l'Institut a acquis l'hôtel, eh bien, il a fallu liquider cet espace qui ne pouvait servir à rien du point de vue des collections. Et il y a un immeuble qui a été construit sur la hauteur, justement, derrière, qui vient un petit peu boucler la vue. Donc, vous avez cet espace en hémicycle, et c'est ce que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas? Vous avez un grand... Nous sommes dans l'acte, n'est-ce pas? Nous arrivons, vous avez ce péristyle qui, là encore, un petit peu nous met à l'abri lorsqu'il pleut. Et puis, vous avez un rez-de-chaussée et un étage.
Et à l'étage, vous avez au milieu cet immense espace du corps central qui est percé, comme vous voyez, d'une grande baie vitrée qui interrompt la corniche. Et cette baie vitrée, c'est une attention toute particulière qu'Édouard André a eue avec sa femme. Lorsqu'il s'est marié, il s'est dit, elle est peintre, n'est-ce pas ? Il faut que je lui aménage un atelier. Or, la façade de mon hôtel donne sur le nord, donc vous savez que c'est une nécessité pour les artistes d'avoir un atelier qui s'ouvre sur le nord pour recevoir une lumière qui n'est pas colorée, qui est froide. Donc il a fait crever tout l'espace, n'est-ce pas, à l'encontre de ce qu'avait dessiné Henri Parent. Et puis il a fait cette grande perte. Et puis c'était sans compter le caractère effroyable de sa femme qui lui a dit « Ah mais maintenant je suis marié, on voyage, je ne tiens plus mon pinceau, c'est terminé, je ne peins plus. » Bon, alors l'espace qu'il avait préparé pour lui faire plaisir est resté comme ça. Et c'est un espace qui aujourd'hui nous sert beaucoup, enfin a servi à présenter ses collections. Voilà, je vous ai parlé. Alors les appartements avaient été somptueusement décorés sur deux étages, surmontant la cour au nord et le jardin au sud. Alors, il faut penser que cet hôtel a été construit par un célibataire, n'est-ce pas ? Édouard était célibataire, n'est-ce pas ? Il a reçu là, dans cet immense palais, toute la haute société parisienne, bon, c'est-à-dire tous les gens qui ont écrit leur mémoire là-dessus, et même peut-être Marcel Proust, n'est-ce pas ? Donc, toute la haute société venait là, il y avait des jours qui étaient organisés, on recevait, il y avait des festivités, grands buffets, etc. Et en plus, il y avait de la musique, parce que Édouard était un bon musicien, et il y avait un salon de musique organisé sur le côté du grand salon central. Il était même organisé de telle manière que lorsqu'on donnait des concerts, pour que l'accès par le salon central soit plus large, il y avait une partie du mur qui disparaissait dans le fond, n'est-ce pas, en glissière, n'est-ce pas, de façon à avoir un accès plus large. Et puis il y a encore toujours un étage sur colonne, et puis il y avait là, on avait installé un orgue Cavaillé-Coll, et Édouard André jouait de cet ordre avec beaucoup de passion. Alors, l'arrivée de Nelly dans l'hôtel va donner aux espaces un apport important pour installer des œuvres d'art, n'est-ce pas ? Il était prévu que le couple devait avoir ses appartements au premier étage. En réalité, ces appartements vont être occupés par des œuvres d'art. Et c'est un véritable musée avec du mobilier, des objets d'art que vous voyez ici sous les yeux, plus les peintures, n'est-ce pas, qui vont s'installer au rez-de-chaussée et au premier étage. Alors ici, les salles du rez-de-chaussée sont essentiellement des salles qui évoquent l'époque classique, 17e siècle, français, italien. Rappelons qu'Édouard André était l'un des fondateurs de la Gazette des Beaux-Arts. Il a été même le propriétaire de la Gazette des Beaux-Arts pendant très longtemps, et Nelly lui a succédé. Illustre périodique pour les amateurs et les professionnels. Et Édouard André avait acheté aussi beaucoup de peintures, lui célibataire, notamment des peintures des peintres contemporains. C'est intéressant de voir qu'il a acheté des peintres contemporains. Et lorsque Nelly est arrivé, j'aime mieux l'Italie du XVIe siècle, n'est-ce pas ? Bon, donc, il y a certaines œuvres qui ont été revendues à la demande de Nelly, et d'autres qui sont restées, il en reste encore quelques-unes, n'est-ce pas ? Alors, je vous ai parlé de ce grand espace qu'Édouard André a fait aménager, au premier étage, au centre, face au nord. Alors, donc, les ateliers et le rez-de-chaussée est donc essentiellement un rez-de-chaussée qui accueille des œuvres des 17e et 18e siècles français. Comme, alors, vous voyez l'un de ces salons, n'est-ce pas, meublé et avec beaucoup de peinture. Vous voyez ensuite le salon axial, n'est-ce pas, du rez-de-chaussée, n'est-ce pas, vous voyez avec ces beaux rideaux, ça donne sur la cour d'entrée, vous voyez sur le côté des peintures du XVIIIe siècle, et je vous ai détaillé notamment
se boucher le sommeil de Vénus. Voilà le sommeil de Vénus. Voilà. Bon, ensuite, nous poursuivons dans ces salons. Je dois vous dire que ces salons, vous avez d'un côté un état ancien et l'autre la restauration. Nous avons donc pu trouver des mécènes qui ont engagé la restauration, notamment des sociétés ou des banques, notamment ce que vous voyez ici. Tout récemment, le salon des tapisseries a été restauré grâce à l'aide d'une banque. Et puis vous avez cette superbe chaise longue, n'est-ce pas? Et ceux qui sont allés à l'exposition sur le mobilier à Versailles ont peut-être vu cette chaise longue, n'est-ce pas? En trois parties, très longue, n'est-ce pas? Qui a été restaurée à cette occasion et qui est un morceau tout à fait exceptionnel. Voilà. Alors, le XVIIe siècle, c'est aussi d'autres pays que la France ou l'Italie, c'est aussi la Hollande. Et je vous montre ici la grande salle, la salle du fond, n'est-ce pas, qui est l'ancien cabinet d'études, et dans lequel on a monté les principales œuvres de la peinture hollandaise du XVIIe siècle qui avait été achetée par les époux. Alors, nous avons plusieurs Rembrandt, pas, des portraits de Rembrandt, et notamment ce que je considère comme le véritable chef-d'œuvre du musée, plus émouvant, n'est-ce pas, le Christ à Emmaüs, une toute petite toile comme ça. Et vous savez, l'originalité profonde de ce tableau, qui pour moi est absolument exceptionnelle, c'est qu'on ne voit pas la figure du Christ, n'est-ce pas? Christ est complètement à contre-jour, et la petite lumière qui est sur la table fait simplement voir l'effarement du compagnon d'Emmaüs qui se dit « Mais qui ai-je en face de moi ?» Peinture d'une spiritualité tout à fait extraordinaire. Alors, pour gagner l'étage, l'hôtel dispose d'un étonnant escalier conçu par Henri Parent sur un plan très original et qui nous fait penser à ce qu'on cherchait à imaginer à ce moment-là. D'ailleurs, Henri Parent avait cherché à concourir à l'Opéra de Paris, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on monte vers un mur, puis après ça, on se retourne. Pas ? On ne voit pas ce vers quoi on arrive, mais il faut se retourner. On monte ici vers le mur, et des volutes vous permettent, à droite et à gauche, de se retourner vers les salles du premier étage. Hein, donc, une originalité extraordinaire. Alors, le mur de perspective, et puis alors vous voyez donc en bas, que pour ces réceptions de célibataires, Édouard, dans la perspective de son extraordinaire escalier, n'est-ce pas, avait aménagé un espace pour fumer, n'est-ce pas, on ne fumait pas partout, hein, même la cigarette électronique, il fallait fumer dans le fumoir. Et ce fumoir, vous le voyez dans le fond, au fond de ce jardin fermé, n'est-ce pas, ce petit jardin à l'anglaise, n'est-ce pas, avec des plantes vertes, des palmiers, etc. Et puis dans le fond, une salle dans laquelle, bon, en raison du goût anglais de la fumée, c'est essentiellement des peintures anglaises qui ont été aménagées dans ce fumoir que vous apercevez dans le fond. Alors on tourne comme ça. Et alors figurez-vous que pendant longtemps, le mur dans lequel on accédait, n'est-ce pas, était un mur aveugle. Enfin, il y avait quantité de magnifiques reliefs de marbre que vous apercevez sur le côté, puis très très belles colonnes avec des chapiteaux en bronze doré. Mais le mur n'était pas occupé. Et puis voilà-t-il pas que les époux André, lors de leur voyage en Italie, passent à Venise, ils vont à la galerie Contarini, et puis le propriétaire de l'hôtel Contarini leur dit, la villa Contarini, c'est pas dans Venise, c'est dans les environs, leur dit, vous savez, voilà, j'ai cette belle fresque de Tiepolo, bon. « Oh, et alors, c'est magnifique. Bon, écoutez, vous la voulez ?» Bon, ils achètent la fresque de Tiepolo. Cette fresque a une histoire admirable, liée un petit peu à l'histoire de la famille Contarini. C'est l'arrivée d'Henri III à Venise. Bon, vous savez, cette histoire rocambolesque, n'est-ce pas, d'Henri III, enfin, Henri de Valois, dernier des Valois, qui avait été donc élu par l'Assemblée polonaise roi de Pologne. Bon, alors il était parti pour Varsovie, n'est-ce pas ?
Puis un émissaire qui est arrivé, qui s'est glissé jusqu'à lui, dans le palais de Varsovie, qui lui a dit, vous savez, votre frère Charles IX, il est mort. Hein. Charles IX était mort sans enfant. Donc c'est Henri III qui était héritier de la couronne de France. Alors il est parti nuitamment de Varsovie sans rien dire aux gens qui étaient dans le palais. Il a traversé la frontière à toute vitesse. Et puis une fois avoir traversé la frontière et que les Polonais ne l'aient pas arrêté à la frontière, il s'est dit, ben, je prends un petit peu de vacances, je pense, avant de regagner la France et de me charger de la lourde couronne parisienne. Donc je m'arrête à Venise. Donc il a pris quelques jours de vacances à Venise. Et il est arrivé, et vous le voyez ici, arrivant, n'est-ce pas, au bord du Grand Canal. Hein? Pardon, excusez-moi. Pardon. Voilà. Voilà. Alors voilà, il est accueilli par le doge, par toute la famille, n'est-ce pas? Et vous voyez l'enthousiasme de tous ces gens qui disent « Mais c'est merveilleux, on a un roi de France qui vient nous voir, etc. » Vous voyez le Grand Canal par derrière, toute cette grande colonne, et puis ces effets extraordinaires avec même sur le côté droit, vous voyez un petit laquais, n'est-ce pas, qui s'est assis par terre. Et pour enlever la fresque, on a même enlevé les pieds du jeune homme. Alors, vous avez ça, vous avez sur le côté, des petits entre-fenêtres avec des personnes qui regardent, et vous avez le plafond qui allait avec, qui a été remonté également dans une salle du musée. Alors, vous imaginez le travail, n'est-ce pas? Il a fallu déposer cette fresque. C'est-à-dire qu'on a fait un enduit sur le côté peint, n'est-ce pas? On l'a roulé, et sur l'autre côté, on a mis... je ne sais quoi, moi, un espace, je ne sais pas, de la laine ou je ne sais pas quoi. On a tout tourné, n'est-ce pas, comme un tonneau, n'est-ce pas? Et ceci a passé les Alpes, hein, traversé le Rhône, etc., arrivé en France en 1893, et ça a été remonté en place. Et je dois vous dire que c'est un espace qui m'est spécialement... qui m'intéresse vivement, parce que nous avons eu un moment quelques petites... comme dire, des petites fissures avec de l'eau qui n'ont pas abîmé véritablement la fresque et qui a abîmé le plafond juste au-dessus, n'est-ce pas? Et nous avons pensé qu'il fallait absolument faire restaurer un tout petit peu cet espace et puis surtout assécher le mur derrière. Donc nous avons fait appel à des restaurateurs et des restauratrices, c'est souvent un métier de femme, et elles ont mis le réchafaudage dans l'escalier, ce qui n'était pas très commode. Et en plus, comme ça m'ennuyait que cet espace soit interdit au public, on avait laissé un petit espace pour le public, et le public même, comme on n'avait pas voilé, pouvait même parler aux restauratrices, qui était un événement extraordinaire, et je me rappelle toujours voilà, les illustres mécènes, qui je suis tellement redevable, qui ont payé entièrement toute l'opération. Donc ça s'est terminé, et on a pu restaurer entièrement cette chose. Donc c'est vraiment unique dans l'architecture, non seulement parisienne, mais d'une façon générale. Et nous avons été saisis un an ou deux ans par les propriétaires actuels de la Villa Contarini, qui est devenue un musée, qui nous ont dit « Est-ce que vous nous permettez de faire des photos et d'exposer les photos ?» Mais oui, bien sûr. Voilà. Alors, nous continuons. Si j'arrive. Voilà. Alors, nous sommes ici. J'ai laissé passer quelque chose, non? Cinéma, oui, voilà. Bon, alors, dans le centre de l'hôtel, il y a donc cet espace que Édouard André avait fait vider entièrement pour faire le grand atelier de son épouse. Comme elle s'est refusée à ça, ils y ont mis essentiellement des sculptures, et c'est ce que vous voyez dans ces espaces, n'est-ce pas, aussi bien d'un côté que de l'autre. Ce sont surtout des sculptures italiennes qui sont présentées ici, dans cet espace qui est donc l'axe central du premier étage de l'hôtel. Vous voyez ici donc le détail de ces sculptures, avec pas seulement des petites sculptures, mais vous voyez quelquefois des fontaines entières, parce que
L'Italie vendait des morceaux entiers de son patrimoine, ça paraît tout à fait extraordinaire aujourd'hui et impensable, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, on pouvait acheter, vous voyez, tous des entourages de portes avec des pilastres, etc. Et puis vous avez sur le côté, alors ces petits angelots, n'est-ce pas, qui sont très demandés aujourd'hui parce qu'on est arrivé à savoir de qui ils sont et nous les prêtons beaucoup pour des expositions. Alors vous avez ici alors des espaces qui étaient les anciens appartements du couple. Et puis finalement, Nelly est arrivée à dire à son mari, écoutez, non, c'est fini, on a besoin de ces espaces du premier étage, et alors on s'installera ailleurs, on s'installera au rez-de-chaussée. Donc les anciennes chambres de l'étage ont été organisées pour faire deux grandes chambres, deux grandes salles, une salle qui est ornée de peinture de, excusez-moi, de Florentine, Florence Hessienne, n'est-ce pas? Et vous voyez ici, attendez, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous avez ici la salle Florentine, n'est-ce pas? Avec le Saint-Georges terrassant dragon de Paolo Uccello. Et puis les Xiaomo de Mantegna, qui sont aussi des chefs-d'œuvre bien connus et qu'on nous demande beaucoup. Voilà, nous restons là comme ça. Donc, et comme je vous disais, l'autre salle était la salle vénitienne. Édouard André est donc mort ici en 1894. Nelly, après sa mort, après avoir donc hérité de ses immenses biens, a poursuivi ses voyages en Europe, en Orient, en Extrême-Orient, où elle a rencontré avec un immense plaisir le Maharaja de Kapurthala, avec lequel elle a noué des liens d'amitié très forts. Et elle continue à acheter, à acheter, à acheter. Elle est là-bas, n'est-ce pas, en train de continuer son voyage. Elle pense qu'elle va aller en Chine ou au Japon, n'est-ce pas? Et c'est là-bas qu'elle reçoit une lettre d'un de ses agents parisiens qui lui disent: Madame, je vous apprends que l'abbaye de Chailly est à vendre. Ah, ça alors! Formidable! Cette abbaye de Chailly, où il avait passé d'heureuses années de jeunesse, elle est à vendre. Elle revient immédiatement, elle coupe son voyage, n'est-ce pas? Elle dit, ça y est, c'est fini. Et elle revient, elle se présente acquéreur, plus exactement, elle se présente par personne interposée, parce que elle se dit, si on me voit, les prix vont monter, donc elle envoie quelqu'un à sa place, n'est-ce pas? Et elle achète Chailly. Bon. Alors maintenant, si vous voulez bien, nous allons arriver sur l'abbaye de Chailly. Attendez, pardon. Je suis bête, excusez-moi, la chambre que vous voyez ici, c'est la chambre de Nelly à Jacquemart-André. Pardon, pardon, pardon. Là, voilà. Voilà, très belle chambre que vous pouvez voir avec des décors magnifiques. Alors voilà, maintenant, l'abbaye de Chailly. Alors l'abbaye de Chailly, je vous fais l'histoire rapide de l'abbaye de Chailly. L'abbaye de Chailly est une abbaye cistercienne dans l'Oise, au sud de Chantilly et de Senlis. Elle a été fondée par le roi Louis VI le Gros en 1137. L'abbatiale, une fois terminée, est consacrée en 1219 par Frère Guérin, évêque de Senlis et l'illustre garde du sceau de Philippe Auguste. Ces bâtiments étaient très vastes, avec une grande activité des moines. Et les moines avaient deux activités, si l'on peut abréger simplement. Ils avaient l'exploitation agricole qui était immense, n'est-ce pas? Et puis ils avaient une recherche sur la littérature religieuse très profonde, n'est-ce pas? Et il y a eu beaucoup d'écrits religieux qui ont été faits parmi les plus grands auteurs médiévaux de la patristique. Donc une grande renommée de cette abbaye de Chailly. Alors bien sûr, tout s'achève à la Révolution. Pénurie de moines, les biens sont vendus comme bien national. Les bâtiments et l'église sont détruits en partie et vendus pierre à pierre. Et j'ai retrouvé récemment dans les environs de Chailly des maisons qui avaient été construites avec des morceaux où l'on voyait encore les traces des sculptures de l'abbaye de Chailly, plus exactement de l'abbatiale. La
Alors cette abbaye reste des ruines magnifiques. L'église abbatiale était une des plus grandes connues, n'est-ce pas, 90 mètres de long, n'est-ce pas, avec un chevet arrondi sur les deux côtés, et puis un chevet arrondi aussi, c'est-à-dire une espèce de triangle magnifique, comme la cathédrale de Senlis, me semble-t-il, et puis des quantités de chapelles, et puis tous les espaces funéraires des abbés, et notamment de celui dont je viens de vous parler, de frère Guérin, qui était l'un des premiers dans le chœur. Alors ces ruines, ces abbés, cette église donc a été très très abîmée, sinon ruinée entièrement. Nous n'avons plus que le chœur, nous n'avons plus du cloître lui-même que deux éléments, mais enfin les ruines sont absolument magnifiques. Restent donc des ruines. Et puis, ce que, curieusement, qui avait été fait, un abbé du XVIIIe siècle, Louis de Bourbon, comte de Clermont, le petit cousin de Louis XV, c'était un petit-fils du grand Condé, il avait entrepris la reconstruction du cloître et des logements des moines, parce qu'il trouvait que l'architecture gothique, c'était pas commode, n'est-ce pas, et qu'il fallait avoir du grand, du beau, exactement comme ce qu'on a fait à l'abbaye Saint-Denis. Donc il a fait reconstruire en partie, et il a construit essentiellement une aile. Et cette aile, il l'a fait construire par un architecte qui n'était pas un petit architecte, c'était tout simplement Jean Aubert, qui est l'architecte des magnifiques écuries de Chantilly. Alors donc une seule aile monumentale a été rebâtie, avec des jardins en perspective vers le nord. L'église reste après la... Alors, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le côté de cette aile, n'est-ce pas, que vous voyez là. L'église reste après la Révolution un grand espace, l'édifice reste après la Révolution un grand espace habitable au milieu de l'immense domaine agricole, jardins, forêts, étangs et viviers. Il est habité par Pierre-Étienne Jean Paris, qui est responsable en partie de la destruction, en 1824 par le marquis de Labrif, mort en 1846, et par Madame de Vatry, Rose Pamela Ingerlo, à partir de 1850. C'est elle qui transforme vraiment l'aile monastique en château, avec une façade réordonnée par l'architecte Bélanger en 1854. C'est celle que vous voyez sur le côté, en enfilade, refaite pour aménager les appartements. Donc elle installe le confort des appartements, elle mène grand train de maison, elle accueille en ses murs la jeune actrice, la jeune artiste Nelly Jacquemart, qui était fille de l'ancien agent électoral de son mari prédécédé, Monsieur de Vatry, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle connaissait la petite Nelly. Nelly devient souvent, c'est l'enfant de la famille, n'est-ce pas? Les familières du lieu, et Madame de Vatry lui fait même installer un petit atelier de peinture qui existe toujours, aménagé dans l'ancien moulin à eau. Madame de Vatry décède en 1881, Chalice passa à ses neveux et parut au prince Murat. C'est cette famille des Murat qui décide de vendre en 1902 et Nelly se précipite pour l'acheter pour la somme de 1 200 050 francs. C'était 1000 hectares de terrain avec tout le mobilier des Murat qui est toujours en place. Nelly engage immédiatement des travaux en ces lieux qu'elle aime tant. Son appartement privé luxueux, les espaces nécessaires pour recevoir tous les amis du grand monde, princes, banquiers, etc. Nous avons encore le livre d'or de ces réceptions, n'est-ce pas? On a fait des statistiques sur tous les princes et les membres de la famille royale, etc., qui venaient deux ou trois fois par an, n'est-ce pas? Et j'ai encore tout ce... C'est très épais, livre d'or. Figurez-vous que je continue à m'en servir, puisque pour les journées de la rose, je tiens beaucoup à ce que les présents aux journées de la rose, déjeuner des journées de la rose, signent aussi année par année à la suite du chancelier Gabriel de Broglie. Donc prince, banquier, etc. Alors une enfilade de salon au rez-de-chaussée, la galerie voûtée des moines sur deux étages et d'autres espaces pour recevoir des œuvres d'art en même temps qu'elle installe l'eau courante, l'électricité, le téléphone, grande nouveauté, et elle s'achète une automobile. C'est une femme d'une modernité extraordinaire. Et nous sommes en train depuis quelques mois de restaurer la turbine électrique
du moulin qui faisait tourner la centrale électrique, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que la centrale électrique refonctionne, mais c'est tout simplement pour les visiteurs, depuis hier. Donc c'est un travail considérable que nous menons avec les plus grands spécialistes, avec beaucoup de mécénat, et cette opération très très longue qui est engagée depuis 2 ans à peu près s'achève en ce moment et sera visible aux prochaines journées de la Rose. Alors vous avez ici sur le côté un des salons bas de voilà. Et alors voilà la salle la plus extraordinaire, n'est-ce pas? C'est la salle des moines qu'elle a fait aménager avec cette grande cheminée, ce cerf qui est moulé sur un ancien cerf des chasses véritablement qui se donnait sur les forêts de Chali. Et vous avez les plus anciens tableaux de sa collection et notamment nos chefs-d'œuvre, les deux Giotto que vous voyez ici, n'est-ce pas? Deux panneaux de Giotto extraordinaires. Qui, je dois vous le dire, viennent d'arriver à Paris hier, puisque nous les présentons dans l'exposition Roberto Longhi, qui va s'ouvrir dans 15 jours à peu près, parce que c'est Roberto Longhi qui avait ce grand historien d'art, n'est-ce pas? Nous allons présenter son œuvre de détecteur, n'est-ce pas? Notamment, il a identifié les Giotto, il a identifié aussi quantité d'œuvres plus récentes. Et nous les présentons avec sa propre collection, n'est-ce pas? Et notamment des Caravages absolument superbes. Voilà donc nos Giotto et puis une Vierge à l'Enfant de Signorelli. Au premier étage, nous avons des œuvres plus récentes, des Italiens. Alors là, nous sommes encore au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Alors ces grands salons magnifiques, n'est-ce pas? Bon, le salon, salle à manger, salle de billard, etc., avec ces grands tableaux, ils sont essentiellement du XVIIIe siècle, et des meubles absolument splendides qui ont tous été identifiés avec des provenances remarquables. Et puis, bon, un petit exemple simplement d'une de ces peintures de Donat Nonot qui s'appelle la Dame à la Vielle, qui nous est souvent demandé. Notamment pour des expositions sur les instruments de musique. Voilà, vous avez sur le côté ces galeries, n'est-ce pas, qui sont des galeries de pierre, qui sont le reste de l'aile de l'abbaye, n'est-ce pas, avec présentation des œuvres, des sculptures essentiellement au rez-de-chaussée et des peintures à l'étage. Nelly meurt à Paris en 1912. Il est inhumé à sa demande dans sa belle chapelle Notre-Dame de Chali, chef-d'œuvre de l'époque de Saint-Louis, décorée au XVIe siècle par des fresques de primatistes, n'est-ce pas, qui sont le plus bel ensemble, n'est-ce pas, de fresques de fresques italiennes, n'est-ce pas. On a parlé de la chapelle Sixtine de la France, n'est-ce pas, puisque vous avez cet ensemble que nous avons pu faire restaurer et retrouver véritablement les origines primaticiennes de l'espace. Grâce là aussi à du mécénat magnifique. Son tombeau en gisant y a été sculpté par le sculpteur Denis Puech. Elle a donc tout légué à l'Institut. Bâtiments, œuvres, comptes bancaires, avec l'obligation d'ouvrir au public. Elle suivait donc l'exemple du duc d'Aumale qu'elle admirait tant à Chantilly. Le testament est accepté par l'Institut en 1912. Et lorsque l'Institut a accepté, il a appris à ce moment-là qu'il y avait encore des caisses d'œuvres d'art qui étaient envoyées par les marchands italiens qui n'étaient pas encore payées. Alors l'Institut a réfléchi et il a payé. Et les lieux ont pu être ouverts au public dès 1913. Vous imaginez le travail qui s'est fait entre 1912 et 1913. 1913, le président de la République pouvait inaugurer le musée Jacques-Marandré à Paris. Et avec des conservateurs nommés pour gérer et faire l'inventaire, Louis Gillot et plus tard Émile Malle à Chali. Émile Malle adorait Chali et il y est même mort en 1954. Et à Paris, Émile Berthoud et plus tard Pierre de Nolhac. Alors vous avez sur le côté un buste de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, qui nous rappelle que Nelly était sensible au fait que Rousseau était mort au château d'Ermenonville
en 1772, comme vous savez, n'est-ce pas, qu'il avait été enterré dans l'île, voilà, cette île des Peupliers magnifique. Elle connaissait bien la famille qui occupait le château à ce moment-là, elle avait acheté quelques œuvres. Et puis il se trouve que l'Institut a pu, beaucoup plus tard, acheter à un membre de la famille Girardin, tous les restes de Jean-Jacques Rousseau qui se trouvaient encore à Ermenonville. Et nous avons, l'année dernière, il y a 2 ans, grâce à une subvention du Conseil Général, pu rénover entièrement la présentation de la collection Jean-Jacques Rousseau. Nous avons un musée Jean-Jacques Rousseau au premier étage de Chalis, n'est-ce pas, qui est une chose magnifique. Voilà, et puis, dernière vision, voilà la galerie du premier étage, et vous vous apercevez au milieu, voilà, des objets orientaux, n'est-ce pas, qui sont un reste de cet amour que Nelly avait porté sur tout ce qu'elle rencontrait dans les Orients. Nous nous efforçons de remplir au mieux les impératifs du legs de cette femme d'exception. Je vous remercie. Dans les collections itinéraires, n'est-ce pas, publiées avec des éditions nombreuses, avec des rectificatifs, des augmentations, etc. Quelque chose sur l'abbaye de Chalis. Puis j'ai publié moi-même un petit livre qui s'appelle « Une passion commune pour l'art, Nelly Jacquemart et Édouard André ». Voilà. Merci beaucoup pour cette très très belle conférence qui nous plonge dans l'univers de la fin du 19e siècle, des collectionneurs, des mécènes, des constructeurs, des architectes, et aussi du marché de l'art, un marché de l'art qui est extrêmement florissant et dynamique jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Je suis sûr que ce que nous venons d'entendre va susciter de nombreuses questions. Et le micro va circuler une fois qu'il aura quitté ma main. Et voilà. Oui, pourrait-on savoir où est-ce qu'elle a acheté toutes les œuvres d'art et tout ce qui n'est pas présenté, soit au musée, soit dans l'abbaye de Chalis, où sont-elles? Vous devez avoir des réserves énormes. Oui, nous avons un petit peu de réserve. Mais je vais vous dire, monsieur, c'est que maintenant de là. Renommée, nous faisons 2 expositions par an au musée Jacques Mandré, etc. Nous avons des liens avec les musées du monde entier. Alors ça veut dire que si nous empruntons, nous prêtons. Hein, ça va ensemble. Donc nous avons donc à prêter sur les sujets divers sur lesquels les conservateurs américains, anglais, italiens nous interpellent. Il faut d'abord que je fasse accepter par l'Institut ces prêts, n'est-ce pas? Puisque selon le testament de Nelly, n'est-ce pas, ses œuvres ne doivent prévenir partir qu'avec l'autorisation de l'Institut. Donc je présente des choses, fais des dossiers, et ça nous permet justement de sortir des réserves, des œuvres qui ne sont pas présentées. Nous sommes justement heureux quelquefois de les sortir. Mais sinon, bon, vous savez que nous avons des espaces importants, n'est-ce pas, à Jacques Mandré comme à Chalis, et venez les voir. Voilà, alors ce que je dois vous dire aussi, c'est que bien sûr, les conservateurs qui ont été nommés dès le début ont engagé des embryons de catalogues. Il y a un catalogue pour chaque, n'est-ce pas, qui date des premières années d'ouverture, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, mon Dieu, les attributions ont changé. Nous avons donc tous les 2 mois à peu près. Nous avons une séance aux ateliers de restauration du Louvre avec Michel Laclotte, notamment, grand connaisseur de la peinture italienne, et nous réunissons autour d'œuvres qui ont été transportées, soit de Chalis, soit de Jacquemart-André Paris, et qui ont été examinées ou commencées de restaurer par des restauratrices de ce qui est tous les ateliers qui sont, vous savez, logés dans le pavillon de Flore, et tout en haut du pavillon de Flore, dans cette vue magnifique sur le jardin des Tuileries. Et alors donc on est là avec Michel Laclotte qui dit oui, ça, écoutez, ça c'est peut-être plutôt école de Bernardini, non, écoutez, vous allez enlever un petit peu cette petite parcelle, on va découvrir comment elle enduit, ah, l'enduit est de cette nature, etc.
Donc, avec des études aussi pointues que celle-là, nous avons changé, bien sûr, quantité d'attributions. Et ces attributions nous ont permis d'établir véritablement un nouveau catalogue. Et nous sommes en ce moment en train de... Nous avons trouvé l'éditeur. Nous allons publier le catalogue des peintures italiennes mélangées Paris-Chali, n'est-ce pas ? Qui sera vraiment un objet qui présentera l'actualité des attributions à l'heure actuelle. Voilà. Est-ce qu'on sait comment elle achetait ? Est-ce qu'elle avait de bons rabatteurs ? Oui, oh là là. On sait qu'on connaît le détail. Oui, oui, on connaît le détail, oui, oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme écrivait énormément. Et nous avons, à Chali comme à Paris, spécialement à Chali, nous avons tout ce qui se passait heure par heure. Voilà, alors voilà, ben voilà, la cuisinière n'est pas venue, pourquoi donc ? Et les jardiniers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas de râteaux, il faut acheter des râteaux, enfin, etc., etc. Ça fait incroyable. Et alors, quand elle a eu acheté sa première automobile, n'est-ce pas ? C'était une sensation dans tout le département de l'Oise. Elle a une automobile, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle va s'en servir pour faire Chalice-Paris ou uniquement rester à Chali ? Oh ben non, finalement, elles vont en avoir deux, une à Paris, une à Chali, n'est-ce pas ? Donc... attendez. Oui, oui, attendez. Je ne saurais. Non, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais c'était. Non, mais vous me laisserez. Parce que ce soir, je vous le dirai. Voilà, et alors, comme je vous ai dit, l'installation de. Téléphonique, électricité, etc. Bon, elle était la seule à avoir le téléphone dans le département aussi. Enfin, il faut s'imaginer des choses comme ça à cette époque. Donc, pour répondre, bon, nous avons donc les correspondances avec soit des collectionneurs qui vont vendre, soit des marchands. Et elle avait donc naturellement des liens particuliers avec des grands marchands florentins qui vendaient à tous les grands mécènes anglais, parce qu'elle était surtout en rivalité avec les Anglais, soit français. Et alors, ça se passait comme ça, on négociait, n'est-ce pas ? Donc, alors vous cédez celui-ci, et puis vous cédez tel autre, tel collectionneur anglais, voilà. Et nous avons toute cette correspondance. Pardon, oui. Juste une simple question. Pourquoi jamais d'enfants ? Elle n'a jamais voulu, ou est-ce que c'était prévu, bon évidemment un mariage n'est que de arranger, pourquoi jamais ? Parce que cette collection est comme un enfant. Oui, oui, tout à fait, mais je pense que c'est ça, vous avez répondu. Oui, mais quelque part, mais je me demandais, dans les archives, est-ce qu'on a des... correspondance Non. Excusez-moi, je me demande si Édouard n'a pas eu, dans les nombreuses maîtresses qu'il a eues, s'il n'y a pas eu un enfant du côté d'Édouard, mais du côté de Nelly, je ne sais pas. Et était-elle la filleule du duc de Mal ? Non. Non, parce qu'on a retrouvé, me semble-t-il, oui. des pièces de mobilier avec le chiffre du duc de Mal, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, oui, oui. Où était le lien ? Est-ce qu'elle était sa filleule ? Pas du tout, etc. Oui, c'est vrai. Non, on s'est demandé si elle avait des liens avec la dernière épouse du duc d'Aumale, avec madame de... Excusez-moi, j'ai un trou. Oui. Oui. Voilà. Enfin, il veut... Bon, elle les recevait perpétuellement, n'est-ce pas, les enfants, voilà. Le comte d'eux, toutes les descendances des Orléans venaient, mais il y avait aussi... Bon. Des broyes en quantité. Oui. Bonsoir. Oui. Ah non. Bonsoir. Moi j'ai une question sur ses voyages en Extrême-Orient. Donc elle est allée en Birmanie, ce qui pour oui, c'est ça. À cette époque est oui. Absolument exceptionnel. C'est exceptionnel, oui. Il me semble qu'elle avait prévu également des voyages
assez plus qu'exotique au pôle Nord. Oui, c'est ça, oui, oui. Et... ben, c'est l'achat de Chaly qui a fait abandonner ses projets. Et vous avez tout à fait raison, elle pensait aller jusqu'au pôle Nord, oui, oui. Et par exemple, de son voyage en Birmanie, a-t-elle rapporté des œuvres, puisque alors là, la représentation serait très discrète au musée Jacques Marandré, où effectivement l'Italie du 16e et l'Italie de la Renaissance est nettement plus présente. Alors, les œuvres d'Extrême-Orient sont à Chaly, et vous avez une salle entière tout à fait au fond de la galerie du rez-de-chaussée, avec d'une part des vitrines dans le fond de la galerie et d'autre part un espace entièrement extrême oriental avec des choses qui viennent du Maharaja de Kapurthala et d'autres, oui. Tout à fait au bout, n'est-ce pas? Et il se trouve que ses œuvres avaient été enlevées après sa mort par les conservateurs qui trouvaient que ça n'allait pas très bien avec l'univers italien, franco-italien. Et c'est mon prédécesseur, M. Bautier, comme conservateur de Chaly, qui a décidé avec son épouse de remettre ses œuvres dans le lieu qu'elle avait choisi autrefois, Nelly. Oui. S'il vous plaît, sur cette quantité absolument oui. impressionnante d'achats assez compulsifs d'ailleurs, est-ce qu'il y a, ou quelle est la part que l'on met à la cave parce que c'est de la pacotille ou il y a eu erreur sur l'achat? Écoutez, vous avez pu constater évidemment après. Oui, oui. Et ce que je peux vous dire, c'est que elle avait des photos, des listes, et elle consultait avant d'acheter définitivement des célébrités de Paris, n'est-ce pas? Donc, des conservateurs du Louvre, etc., elle montrait ce qu'elle pensait acheter. Donc, elle a fait très peu d'erreurs parce que finalement, ses avis étaient très motivés par des experts auxquels elle avait confiance. Oui, des conservateurs du Louvre, notamment. Vous avez parlé d'écrits, de correspondances oui. A-t-elle laissé un journal, puisque vous avez parlé des râteaux, etc. Ça se présente sous forme de... Non, pas de journal, mais c'est bon, c'est quasi un, enfin des petites notes jour après jour sur des questions matérielles, n'est-ce pas? Elle n'a pas décrit véritablement son existence, mais elle avait des petites notes qui sont datées et qui ont été conservées. Donc c'est la vie quotidienne qui est. Voilà, mais je cherche peut-être quelques pages où elle se raconte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les allers-retours qu'elle fait entre Paris et Chaly, n'est-ce pas? Bon, Paris c'était bien, mais enfin, Chaly c'était ses amours, n'est-ce pas? Donc elle retournait à Paris pour ses œuvres, pour la gestion, pour voir si tout se passait bien. Et puis elle se retrouvait à Chaly véritablement chez elle. Est-ce que vous envisagez une publication de ces lettres? De ces lettres, non, je ne pense pas. Ce n'est pas publiable si vous c'est trop. Trop petit morceau. Et pour vous poser une question aussi sur les voyages, effectivement, à cette époque, oui. En Allemagne, en Orient, elle voyageait seule, elle voyageait avec une femme de chambre, avec des amis, avec un oui. pompier, Elle voyageait avec un serviteur, il me semble, oui. Oui, oui, avec une femme de chambre, il me semble, oui, oui. Tout à fait. Une autre. Oui, monsieur. Moi, j'ai une question sur le musée lui-même. Oui. Est-ce que vous connaissez l'origine du décor du salon de thé, qui est vraiment un endroit superbe? Oui. Et est-ce que ça date de l'époque de... Ben alors, attendez. Le salon de thé, le plafond... Le rez-de-chaussée, oui. Le plafond, c'est un plafond de Tiepolo qui va avec... qui vient aussi de la même ville-là. Et puis le reste, bon, alors, oui, vous avez raison de me poser la question, puisque lorsque Édouard André a fait aménager, etc., il y a des décors de murs qui ont été faits sur le dessin d'Henri Parent, et puis pour certains espaces plus beaux, n'est-ce pas, il a été décidé qu'on achèterait des boiseries anciennes. Et donc, nous avons plusieurs,
Le grand salon central est fait et décoré avec des boiseries, je ne vais pas pouvoir vous répondre, d'un hôtel du Faubourg Saint-Germain qu'on a vendu, qu'on a démoli à ce moment-là, et les boiseries ont été vendues, et on a à ce moment-là, mais c'est Édouard qui l'a fait. Et je pense que pour le salon de thé, c'est la même chose. Oui. Oui, je suis toujours surpris quand je vais visiter une exposition temporaire par la petitesse des locaux. Ah. On doit faire la queue, même si on a réservé c'est bien. Ce qu'on appelle Internet maintenant. Et on se retrouve dans des salles très petites. Très petites, oui. Très mal ventilées. Oui. Et quelquefois, on ne voit rien du tout. Ah. Et on a l'impression à Paris qu'il n'y a jamais de place pour montrer les œuvres. Enfin, oui. Bon, écoutez, autrefois, dans mes prédécesseurs, lorsque on faisait des expositions dans le musée Jacques Mandré, on vidait des salles entières pour accrocher les tableaux. Et puis, on s'est rendu compte après ça que si on voulait faire des expositions, il fallait des espaces qui soient uniquement dévolus à ces expositions. Et alors, donc nous avons cédé l'appartement du conservateur qui était logé comme ça au cœur même du premier étage, et en bouclant les fenêtres de cet appartement, on a abouti à ces petites pièces. Bon, je sais bien que ces pièces sont petites, ça veut dire qu'il faut aussi une mise en scène importante, et ça ne fait pas beaucoup de tableaux, bien sûr, mais enfin, à chaque fois, nous essayons de donner un sentiment particulier. Je peux vous dire que l'exposition Longhi qu'on est en train d'accrocher, dont j'ai vu les premiers accrochages hier, sera très très intéressante, mais évidemment, les salles sont petites, mais enfin, nous avons un décorateur qui règle aussi les intensités de lumière qui ne doivent pas être trop fortes, bien évidemment. Et ça, c'est... Voilà, ça c'est l'inconvénient du site. Je repensais, est-ce qu'il y a une voiture qui s'appelait une Otis, non, ou c'est uniquement un nom d'aujourd'hui? Hein? Non, pas Otis, non. Non, je cherche dans ma tête le nom de cette voiture. Bon, mais je vais continuer à chercher. Je vous le promets. Ah oui. Est-ce que le musée subvient à ses besoins par ses entrées, par aussi peu de vente, oui, etc. Enfin, est-ce qu'il est rentable ou est-ce que vraiment, ça n'est qu'une infime partie? Madame, le musée n'est pas géré directement par l'Institut. L'Institut a abandonné, il y a un certain nombre d'années, la gestion à un cabinet qui gère d'autres musées qui s'appelle Culture Espace. Et par l'intermédiaire de ce cabinet? Oui, oui, oui. Bon, écoute, je suppose qu'il se débrouille, puisque le contrat qui lie Culture Espace avec l'Institut suppose qu'on fait les comptes tous les ans, et c'est Culture Espace qui redonne, n'est-ce pas, à l'Institut en fonction de ses résultats de gestion. Donc, au contraire, ça bénéficie, oui. Et nous avons aussi les restes des comptes en banque de Nelly qui ont été utilisés pour les aménagements, etc. Mais nous avons aussi quelquefois un petit quelque chose à prélever pour les publications. Oui. Alors, attendez, je vous dis tout de même que le mécénat joue un très très grand rôle. Je vous l'ai dit pour la restauration des salons, pour la restauration des œuvres, n'est-ce pas? Nous vivons dans le mécénat, et même pour des expositions, certaines de nos expositions sont mécénées, n'est-ce pas, par des groupes, et notamment des groupes commerciaux, bancaires, etc. Oui. Oui, moi j'ai à nouveau quelques questions en tiroir, donc je vais les poser les unes à la suite des autres. J'aimerais savoir, parce que Nelly avant tout était une artiste, même si elle a choisi de déposer ses pinceaux lorsqu'elle s'est mariée, j'aimerais savoir dans quelle mesure et pourquoi elle ne s'est pas intéressée à l'Antiquité, puisque Gustave Moreau avait une collection antique qui était incroyable, Rodin avait lui aussi une collection antique qui était fantastique. Donc l'absence d'antiquité dans ses collections
me paraît surprenante. Oui. J'aimerais aussi savoir quels sont ses liens avec d'autres collectionneurs, puisqu'on a dit qu'elle s'était aventurée jusqu'en Extrême-Orient. J'aimerais par exemple savoir quels sont les liens qu'elle a entretenus avec Guimet. Et avec Guimet, non. Ou alors avec d'autres collectionneurs. Oui. Et puisque on en est justement à ces liens avec d'autres collectionneurs, j'aimerais savoir si vous pouvez nous raconter un cas un peu, soit qui reflète la manière dont elle se portait acquisition, portait acquéreuse de ses œuvres, ou alors un cas un peu savoureux d'acquisition entre différents collectionneurs pour lesquels elle l'a emporté. Oui. Écoutez, pour la première question, effectivement, il n'y a pas d'antiquité, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'antiquité, elle n'a jamais eu d'antiquité. Elle a un petit peu, elle avait des fragments de chalets, des fragments médiévaux de chalets qui sont présentés dans l'orangerie. Et puis un petit peu, des vitraux. Mais sans ça, non, elle ne s'est pas intéressée du tout à l'antiquité. Pour votre seconde question, je ne pourrais pas vous répondre, mais dans le petit livre dont je vous parlais, je pense que j'ai donné des exemples là-dessus. Mais je ne sais plus. Je ne pourrais pas vous répondre comme ça. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été... Elle a été en rivalité avec les Rothschild. Et puis voilà. Et puis, pour des œuvres aussi. Voilà. Alors, Nelly Jacquemart demande toujours l'avis de M. Courageau, Louis Courageau, le grand spécialiste de la sculpture, directeur du nouveau département du Louvre. Dès qu'une caisse arrive d'Italie, il lui arrive parfois de devoir compromettre la position du conservateur du Louvre. Elle apprend un jour qu'une paire d'anges attribuée à Della Robbia passe en vente à Paris. Elle veut connaître son opinion et lui demande de passer à Drouot. C'est chose faite, et suite à son avis favorable, elle décide de les acheter. Mais pour être sûre de son fait, elle exige qu'il porte les enchères en son nom. Le conservateur du Louvre. Oui, ça. Le secrétaire transmet quelque temps plus tard l'embarras du savant et le fait qu'il lui soit difficile d'enchérir pour une personne privée. En même temps, Louis Courageau ne veut pas se fâcher avec Nelly Jacquemart et il accepte ce qu'elle lui demande. Au dernier moment, un intermédiaire intervient et accepte de passer pour l'acquéreur tandis que Courageau assiste à la vente mais sans se manifester. Les deux anges entrent dans la collection pour la modique somme de 50 000 francs. Ils en valaient pourtant le prix puisque les deux bronzes ont été depuis reconnus comme les porte-torchères d'une des deux contoria du Duomo de Florence, que tout récemment, après une querelle de spécialistes qui avaient posé partisans et adversaires, on a reconnu dans ces deux œuvres les figures coulées, puis ciselées et polies par Donatello lui-même, deux chefs-d'œuvre d'autant plus rares qu'ils appartiennent au début de la carrière du sculpteur. Voilà. Quantité d'autres interventions sollicitées auprès de M. Durieux, Paul Durieux de La Fenêtre, ce dernier en charge des peintures du musée du Louvre, sont consignés dans les douves de la correspondance que le secrétaire parisien envoie à ses interlocuteurs lorsque Nelly Jacquemart est absente. Voilà. En 1898, le marquis de Chennevières est obligé de se séparer de sa collection de dessins ensemble qu'il a formée depuis le temps où il était étudiant à Aix-en-Provence et qui depuis est devenue l'une des plus complètes qui soit dans le domaine de l'art français. Ça m'est expliqué, etc. À cette date, il en a plusieurs milliers de feuilles, dont bon nombre proviennent des grandes collections des siècles passés. Cet ensemble exceptionnel est mis en vente parce que Chennevières, ancien fonctionnaire d'État français, n'a pas une retraite. Nelly Jacquemart fait acheter une quinzaine de dessins. Si l'on décline les choix qu'elle a effectués, on ne s'étonnera pas d'y rencontrer trois feuilles exceptionnelles de Watteau. Le reste est plus surprenant, des feuilles d'Eisen ou de Freudeberger, scène de galanterie, etc. Voilà. Il y a aussi dans les collections des manuscrits célèbres, n'est-ce pas? 1900, avec la double acquisition à la vente Guyot de Villeneuve, célèbre collectionneur, des manuscrits enluminés. L'un, Les Heures de Savoie,
l'autre les œuvres du maréchal de Boucicaut, qui sont toujours considérées comme des chefs-d'œuvre dans le milieu du XIVe et du XVe siècle. C'est la première et dernière fois qu'elle acquiert ce type d'œuvre d'art, et l'on est à nouveau en droit de se demander quelle motivation a pu la pousser à se lancer dans de telles acquisitions. Longtemps, cette interrogation est restée sans réponse jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que les Guyot de Villeneuve habitaient rue du docteur Lancereau, un immeuble qui faisait face à la cour de l'hôtel André. Par chance, leurs descendants y demeuraient encore, et ces derniers ont pu nous confirmer, après avoir consulté les archives familiales, que Nelly Jacquemart et leurs ancêtres étaient des familiers. Au nom peut-être de ce voisinage amical, plus encore de l'admiration réciproque, elle décide l'achat de ces précieux manuscrits pour la somme faramineuse de 86 000 francs de l'époque. Voilà. Ah oui, donc ces manuscrits sont des œuvres tout à fait exceptionnelles que nous ne présentons pas en permanence, comme vous imaginez. J'ai une toute petite dernière question. Oui, mon cher. À propos du Maharaja de Capurthala. Oui. Est-ce qu'elle avait des liens avec Alexandre Marcel, l'architecte de la pagode qui a conçu un palais pour ce Maharaja? Ah oui, peut-être, oui. Parce que je trouve que c'est très lié comme type de... Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ça, c'est peut-être dans les notes que Jean-Marc Vasseur m'a communiqué avant-hier. Oui, ça, je te le dirai, oui, oui. Oui, oui. Alors, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que elle s'est trouvée donc veuve à Chali pendant assez longtemps. Elle s'est demandé, est-ce que je reste veuve, etc. Et alors, il s'est dit, dans les milieux proustiens de l'époque, qu'elle elle penserait bien épouser un membre de la famille de Broglie. Et il y avait un Broglie qui avait un château tout près de Chali, n'est-ce pas, et qui venait couramment signer sur son livre d'or pour ses réceptions, et notamment pour les chasses et tout ça. Voilà, alors, inutile de vous dire que le chancelier Gabriel de Broglie m'a posé des questions là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Pierre Jean-Cabablon, pour cette très belle conférence. Petit mot, les 12, 13 et 14 juin prochains, les journées de la rose Ah oui. Pour l'UHF. Voilà, très bien, merci de le dire.